à prendre place, à vous installer. Vous invite à prendre les chaises qu'il y a, sinon après c'est debout. Voilà. Ah, mon ange. Mon ange des airs. C'était magnifique. Extraordinaire. À Marguerite. Oui, voilà. Eh ben, elle n'est pas là? Si, elle est là, mais on n'a pas donné au revoir. Vous l'avez dit? Ah, on ne sait plus où elle est. Eh ben, on va la retrouver après. On va la retrouver. Ça, c'est pour Marguerite. Est-ce que Marguerite est dans la salle? Marguerite? Marguerite? Bon, on verra tout à l'heure. Que Marguerite est là. Marguerite, Marguerite, Marguerite. Bon. Marie, est-ce que tu m'entends? À Yaoundé. Oui, Comment je ça va? t'entends. Bonjour Ida, bonjour à toutes. Ah, elle m'entend. Je l'entends dans l'oreillette. Truc de dingue, j'adore. C'est génial. Voilà, donc on a Marie Molinier au Cameroun qui va animer la table digitale et Candide qui te fait un gros bisou. Ben voilà. Comme ça, c'est parfait. Donc génial, tu m'entends. On va vous accueillir au fur et à mesure ici. Ça, je t'en occupe. Allez, c'est parti. Ok, bon. On a du son, on a du Wi-Fi. On a des chaises, on a des ventilos, on a, j'ai entendu des grands cœurs, on a des grands cœurs, waouh, j'adore, on a des bons cerveaux qui fonctionnent vachement bien et qui sont super câblés, ça aussi j'adore. Bon, bah, je crois qu'on a pas mal de choses pour faire une très très belle matinée ensemble et peut-être un petit peu plus pour celles qui ont envie de poursuivre. Je crois qu'on n'a pas d'heure, donc on n'a pas d'horaire. Donc voilà. Ah. Alors bienvenue à toutes. Je suis vraiment ravie de vous accueillir ici et je vais démarrer en prenant le temps de remercier. Alors pas remercier pour remercier, mais vraiment remercier profondément. Intensément, de manière à valoriser et à bien ancrer ensemble ce qui fait que cet événement est possible ce matin. Parce que, je vais le dire, c'est une prouesse d'avoir organisé cet événement ce 25 juin en plein milieu des week-ends d'anniversaire, de pique-nique, de fêtes d'école, de tournois de foot et autres communions festives. Donc, une prouesse de pouvoir se retrouver ensemble ici. Et parmi toutes les propositions que vous aviez sans doute, vous avez choisi d'être là. Il n'y a aucune raison officielle d'être là ensemble. Aujourd'hui, la seule raison, c'est la volonté, l'envie, celle de partager et d'agir à partir d'une prise de conscience, d'un élan à faire sa part et de ne pas garder seulement pour soi ce qu'on nous a donné. Je vous raconterai dans un instant comment tout ça est né. Et ça a été en tout cas un engagement de chaque jour pendant ces 3 dernières semaines. Ça n'a pas été facile, mais ça a été possible, comme j'aime à le dire. Et rien que ça, c'est énorme. Ça en dit beaucoup de nous toutes, de notre engagement et de notre volonté d'être bien debout, femmes du 21e siècle. Et je vous invite à prendre juste le temps de déposer ici cette intention qui a été la vôtre pour chacune d'entre vous.
de la conscientiser et de vous regarder les unes les autres dans cet élan commun. Prenez ce temps-là. Alors, ce qui a rendu tout ça possible, c'est d'abord ce lieu. Donc, on est ici chez Engage City. Votre participation à chacune d'entre vous nous a permis de louer ce lieu pour la journée. Ce lieu est un lieu à mission. Vous pourrez voir, je crois qu'il y a pas mal de choses écrites sur les murs pour comprendre un peu mieux ce qui se fait ici. En tout cas, ils permettent aux citoyens et aux organisations de se saisir de nos défis communs environnementaux et sociétaux. Donc, il semble que ça soit le bon lieu pour ce qu'on va faire ensemble ce matin. Et puis ensuite, on pourra profiter de cette sympathique terrasse parisienne, assez rare pour pour le souligner, pour un brunch exceptionnel. Alors, ce brunch, on l'a intitulé 100 femmes. S se lève pour la loi X1. Il vous est offert par Psycho-Développement, par les femmes-S, mesdames. Est-ce que vous êtes déjà debout et si vous n'êtes pas debout, vous pouvez vous lever. Soyez les premières à vous lever. En particulier, Delphine Georgelet. Delphine. Où es-tu? Comment? Viens, 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 viens. Alors, Delphine, tu es dirigeante d'une exploitation agricole. En polyculture élevage, c'est bon, j'ai bien dit. En polyculture élevage, autonome, autosuffisante, zéro déchet. Ça, c'est quand tu as dit ça à Pornichet, je me suis dit, oh, c'est incroyable! Et tu as une équipe de 12 personnes, voilà. Tu as 8 femmes avec toi. Quatre hommes, dont un apprenti. C'est bien ça. Alors ce matin, tu nous honores en nous offrant tes fromages, yaourt. Tu as fait 20 kilos de coulis de cerises avec les enfants. Tu as mobilisé le président du beurre déchiré qui a été enthousiasmé de notre initiative. Ouais. Incroyable. Donc vous allez manger du beurre français, vous allez manger le beurre français, s'il vous plaît, offert par le président du beurre français. Tu as été chercher auprès de tes agriculteurs partenaires, ce qui va nous régaler aussi. Et alors, comme par hasard, c'est des femmes. Tu t'en es rendu compte en faisant la liste après coup, donc je trouve que c'est génial. Donc, on va manger du pain fabriqué par une femme paysanne boulangère. Elle produit le grain, elle moue le grain et elle fait le pain. Nous allons boire du pétillant de raisin, n'est-ce pas? C'est une viticultrice, hein, donc tout ça, c'est dans la région des Deux-Sèvres. Et on a utilisé aussi la farine et les pois chiches d'une femme qui est à la tête d'un groupement d'agriculteurs. Voilà. Donc ça, ce sera pour tout à l'heure. Vous allez vous régaler avec ces mets qui, voilà, qui sont un peu plus bio. Voilà. Merci, 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 merci beaucoup. Charlotte. Oui, Charlotte. Alors, beaucoup d'entre vous connaissent Charlotte ici. Toi, tu as passé du temps au fourneau ces dernières heures avec celle qui prend soin de toi et de tes enfants. Moi aussi, j'ai beaucoup de femmes qui prennent soin de moi et des enfants. C'est pour ça que ça m'aime énormément parce que ces femmes-là sont des trésors. Et c'est Malika. Malika qui est auprès de toi et de tes enfants chaque jour. Elle est Malika. Elle est en bas. Elle est en train de Elle est en train d'arriver. Vous verrez Malika tout à l'heure, qui donc a été au fourneau avec Charlotte, avec Delphine hier après-midi.
des tartes, tout fait main, enfin, incroyable. Alors, bah oui, parce que tu as fait tout ça en consolidant l'organisation de cet événement et l'organisation et la mobilisation de toutes, des experts, des facilitatrices, des associations ici présentes. Donc, c'est toi qui as coordonné tout ça, c'est juste énorme. Tu as mis une énergie naturelle et de dingue, et voilà, et on est là, toutes réunies. Donc, je dirais quelques mots de plus tout à l'heure. Concernant. Pas tant que ça. Je dirais tout à l'heure à quel point tu es une femme tirée, je crois. Donc, à toutes les deux, à toi Charlotte, à toi Delphine, merci, merci beaucoup. Et puis à vous toutes les femmes tirées, debout, bien debout. Si vous êtes mobilisés, vous les avez vus, il y a Paula, il y a Mélanie, il y a Delphine, il y a Claire, il y a Carole, il y a Elodie, Rosemarie, Théo, merci à toutes. Alors, deux mots sur cet événement, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Vous avez été plusieurs à me poser la question, comment ça s'est fait, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Donc, je vais un peu vous raconter l'histoire. Et très rapidement, ça nécessite que je me présente en deux mots. Alors, moi, je m'appelle Ida Génarié-Bichri, je suis psychologue, docteur en psychologie du travail et des organisations. Je suis une ancienne cadre RH de direction dans des grands groupes français et j'ai créé, je dirige un cabinet de conseil et de psychologie qui s'appelle Psycho-Développement. Alors, ce cabinet, il s'occupe des accompagnements des transformations et du développement managérial dans les entreprises, des hauts potentiels, hein, de la détection et de l'accompagnement des hauts potentiels pour les enfants, les ados et surtout pour les adultes. Et puis, et c'est surtout ce qui nous réunit ce matin, mon cabinet a pour mission d'accompagner les femmes à vivre tous leurs projets de vie professionnels, personnels, sans se sacrifier, sans renoncer et sans culpabiliser. Avec ma collaboratrice, Aude Martin de Boudard. Aude, elle vous conseille, elle oriente les futures participantes de l'école. Et puis, il y a aussi mes partenaires. Donc, il y a Sophie Lagaude, qui est directrice de communication externalisée, qui est à mes côtés et aux côtés de l'école chaque jour depuis 3 ans bientôt. On fêtera les 3 ans, c'était au mois de juillet. Et tu nous as généreusement beaucoup aidé pour cet événement, donc merci énormément. Il y a aussi Candide Mejia, le docteur Candide Mejia, psychologue, formatrice, consultante, collègue, amie depuis plus de 10 ans. Toi, tu accompagnes avec tout ton talent nos femmes Pyrénées. Et quelle transformation vous opérez ensemble, c'est juste magnifique. Et puis, il y a aussi Florence qui accompagne dans l'école. Il y a Laurence, il y a Christelle, il y a Inès et il y a un homme qui s'appelle Antoine. Voilà, le bel Antoine. Il y a aussi des danseuses dans l'école. Il y a Ambre et Régine qui nous accompagnent sur toute la partie psychocorporelle. Voilà, l'école des femmes inspirantes n'existerait pas sans vous tous. Et donc, merci, merci énormément. Alors, sur les femmes et leurs engagements, j'ai écrit deux livres et un recueil d'articles. Alors, j'ai écrit Femmes-S en 2021, et puis l'école des femmes dirigeantes de leur vie qui est sortie de manière symbolique le 8 mars 2023 pour la journée internationale des droits des femmes avec tous les mots qui comptent. Hein? Important. Je serai tout à l'heure, on va ouvrir une table de dédicaces, parce qu'ici, il y a d'autres auteurs dans la salle. Et il y a notamment Estelle Lequette. Est-ce que tu peux te lever, Estelle? Lève-toi.
Autrice de livres, de romans initiatiques, L'élixir du bonheur, le voilà. Et juste une étincelle d'espoir, ça c'est le dernier, n'est-ce pas? Voilà. Énorme succès, plus de 6000 exemplaires, ça a passé la barre la semaine dernière, c'est hein, énorme. Je suis ravie. Ravie de partager tout ce qu'on partage ensemble depuis bientôt un an. Et donc, on sera ensemble sur la table des dédicaces avec Lorraine Margherita. Lorraine, tu es là. Alors, Lorraine va vous dire le titre de son livre elle-même, car je suis nulle en anglais. Je l'ai dit, c'est dit. Voilà. Donc. Merci, c'est beaucoup mieux. Il y a aussi Christine Natchadjian. Est-ce que Christine, tu es arrivée? Christine, pas encore. Alors, Christine sera là tout à l'heure. J'ai eu le plaisir d'être interviewée par Christine aux Assises de la parité lundi dernier. On a passé un super moment, comme quoi les réseaux sociaux, c'est vraiment génial. Deux textos LinkedIn, et puis ben voilà, une rencontre incroyable. Et Christine a écrit deux livres. Alors, je reprends le titre, The Leadership Revolution. Ça va? Mode d'emploi pour les femmes qui osent enfin prendre le pouvoir et Mon bébé in love. Voilà, on sera aussi sur la table de dédicaces ensemble tout à l'heure. Et puis, mon ami de bientôt 20 ans, Alexandra Ligueto, laisse-toi Alexandra, merci d'être là aujourd'hui. Super émue. Super émue parce que bah, Alexandra et moi, on était collègues de bureau, on avait nos deux bureaux à côté à Roissy avec la vue sur les pistes. Et puis, on a fait nos chemins chacune. Vous pourrez parler avec Alexandra tout à l'heure, on vous racontera tout son parcours extraordinaire. Toi, tu es sociologue, enfin tu es autrice, on va commencer par ça, autrice, sociologue, consultante, tu es coach, business coach, et tu as écrit dernièrement un livre avec Caroline Le Cire. Alors, il est là, et je sais qu'il y a des lectrices dans la salle en plus, Donne-moi des ailes. Donc, magnifique livre sur le matrimoine. Qu'on aille retrouver nos héritages féminins, tout ce qui a été invisibilisé, en fait. Voilà, donc venez sur la table nous voir, on va vous parler de tous ces bouquins-là. Et puis bon, tu as écrit aussi un magnifique roman initiatique qui est Chloé Bailey, qu'on a lu à quatre yeux avec ma fille aînée qui n'est pas là aujourd'hui, mais voilà, quand il est sorti, c'était en 2019, n'est-ce pas? Voilà. Chloé Bailey et Donne-moi des ailes. Merci! Donc, venez nous voir tout à l'heure, ce sera pendant le brunch, on va installer la table de dédicace, venez parler avec nous, on sera ravis d'échanger. Quand je me suis entraînée, ça ne bougeait pas comme ça, mon texte. Mais... Alors, un mot aussi sur femme-s, on me pose souvent la question, pourquoi t'as mis un tiret, pourquoi t'as mis un tiret, c'est pas pratique à dire, etc., etc. Mais en fait, j'ai vraiment tenu à dire ce femme-s, parce que je voulais vraiment parler des femmes, mais je voulais parler aussi de chacune des femmes, unique dans sa dimension et avec toutes ses dimensions. Donc ce tiret S, c'est vraiment le tiret pour symboliser toutes nos facettes qui s'expriment dans nos différents de domaines de vie. Et je suis très précise dans ce que je veux vous dire. Donc, je ne veux pas lâcher les notes. Je vais me faire coacher par candidat après. C'est très important. Alors, j'ai la conviction, et là, ça va être la psy qui parle, que quand on travaille sur nous-mêmes,
quand on accepte de faire ce travail difficile d'introspection, eh ben, en réalité, on le fait pour tous ceux qui nous entourent et on le fait même, je vais le dire carrément, pour la société. Et j'ai remarqué aussi que ça nous amène très très vite à aller vers des projets qui sont beaucoup plus contributifs et contributifs et participatifs. J'ai écrit dans mon livre qu'en devenant cette femme tirée S, finalement, c'est à toutes les femmes que nous permettons d'avoir cette autorisation et de faire ce chemin. Donc, des femmes tirées S, il y en a plein dans cette salle. Leur enjeu, c'est de réaliser ce qui compte pour elles dans tous les domaines sans se sacrifier ni culpabiliser. C'est pouvoir, alors j'aime bien cette expression, choisir de ne pas choisir et apprendre à manier la performance. Là, je pense que pour beaucoup d'entre vous, c'est déjà pas mal acquis. Couplé, et c'est là le pas de plus, couplé avec le bien-être. Et pour le faire, et bien on a besoin de passer par cette introspection profonde, d'apprendre et de remettre en cause certaines de nos représentations acquises et de nos croyances, et puis de s'engager dans un nouveau plan d'action. Alors, ces femmes-S, ben c'est nous, vos hôtes aujourd'hui, et c'est sans doute aussi vous, nos invités. Ces femmes-S, elles ont toutes participé à mon programme d'accompagnement au sein de l'École des femmes inspirantes. Et je vais vous raconter rapidement comment on a cheminé jusqu'à cette journée. Alors, au sein de l'école, on est engagé et nous parlons de la loi Rixin depuis son vote à la fin de l'année 2021. Cela nous a amené à réfléchir autour d'un think tank qui est animé au sein de l'école par les participants de l'école. C'est Claire et Hyssen. Alors, Claire est peut-être en visio, mais Hyssen, je sais que tu es là. Où es-tu? Voilà, Hyssen est ici. Et donc, en mars 2023, j'ai été invitée par Leïla Aoujdad, qui est la présidente de l'association Femmes et Mixité, qui n'est pas connectée encore. Donc, tout à l'heure, on verra si Leïla peut nous dire deux mots. En tout cas, Leïla m'invite à entendre parler du volet 2 de la loi Rixin à l'Assemblée nationale. Mais je ne peux pas m'y rendre parce que je suis en séminaire avec certaines d'entre vous ici. Donc, du coup, je me dis, ben, je sais qu'il y a certaines personnes qui peuvent être intéressées par tout ça au sein de l'école. Donc, je propose à Carole, qui développe le réseau, et on vous en parlera tout à l'heure, de s'y rendre. Et je propose aussi à Charlotte. Charlotte, oui, où tu es ici, maintenant. Voilà. Parce que, je ne vais pas trahir de secret, hein, mais je comprends que bah, tu as certaines envies d'engagement citoyen. Et donc, je me dis, bah, c'est parfait, aller à l'Assemblée nationale, quelle belle occasion. Et donc, voilà comment Carole et Charlotte ont pu entendre parler de la place des femmes dans les métiers et les domaines en tension de la tech, de l'agriculture, du BTP, de la finance. Voilà comment elles ont entendu parler du volet 2 de la loi Rixin sur la fiscalité et aussi d'éducation, de la place des associations féminines et de leur reconnaissance d'utilité publique et aussi d'entrepreneuriat au féminin. Donc, vous commencez à voir comment les tables et les thématiques des tables se sont créées. Et puis, le 14 mai dernier, hein, donc il y a un mois, hein, au sein de l'école, on a notre brunch trimestriel. Et nous étions d'ailleurs à Lyon chez Elle Digital, hein, qui est ici. J'ai vu Séverine et Cécile, voilà. Et donc, pendant ce brunch, les thèmes, c'était bah, justement dire où est-ce qu'on en était au niveau du think tank, du réseau, et puis bah, faire le rex de ce qui s'était dit à l'Assemblée nationale. Donc, Charlotte et Carole nous ont restitué tout ça. Et puis, bah, finalement, on ne pouvait pas s'arrêter là. Charlotte ne pouvait pas s'en arrêter là et nous a proposé de monter ce brunch exceptionnel. La date a été fixée et voilà, c'était parti. Donc finalement, un mois pour organiser tout ça, un mois de coup de fil, un mois de poste, un mois de est-ce qu'on va y arriver, c'est quoi exactement ce qu'on va faire, on y va, oh ça a l'air de prendre, allez. Et nous voilà du coup toutes réunies ce matin. Donc, merci d'avoir répondu à l'appel et encore bravo à toutes celles qui se sont mobilisées intensément pour cet événement ait lieu. Ça a été vraiment
un sprint marathon, parce que sprint parce que c'était assez court, marathon parce que ça a vraiment été tous les jours, avec vraiment persévérance, on regardait où on en était, est-ce qu'il faut relancer, comment on fait. Donc vraiment en mode projet, on a vraiment travaillé en mode projet. Et voilà. Et donc ce matin, ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque table, vous allez avec vos expertes. Alors ici, les expertes, il y a Delphine Georgelet, il y a Leïla Lactara, Cécile Fraboulet, Nathalie Stagmegna, Juliette Delas, Patricia Roche, Amélie Marzouk et Latifa Tabia. Vous pouvez vous lever, comme ça on vous voit. Vous allez avoir aussi à chaque table des facilitatrices, Déborah Speranza, Carole Emerbuge, Delphine Cambou. Voilà, vous pouvez vous lever au fur et à mesure, comme ça on voit qui vous êtes. Lorraine Margarita, Théo Tiora, Hissène Tahi, Clotilde Adolfi, Elisabeth Dos Santos et puis Marie Molinier depuis le Cameroun pour la table digitale. Donc voilà. Et puis, on a aussi les associations présentes. Anne Dumonet-Leca pour Vox Demeter. Yes, super. Sophia Kiyomi pour Féminicité. Mélanie Montocchio pour SNCF Mixité et le réseau Mixité Féolis. Cécile Hénard et Séverine Mercier pour Elle Digital. Edna Kaïm, je pas loin de moi, pour l'association Discipline Positive France. Garance Hivernaud pour Garance et moi. Et Nadia Benan pour Notariel. Yes, super. Merci. Merci d'être là. Vous allez instruire ce qui préoccupe, ce qui marche déjà, et aussi faire remonter vos idées et vos questionnements. Et puis nous serons vos relais vers Marie-Pierre Rixain, vers les femmes, en communiquant sur ce qui se sera dit aujourd'hui. Et puis toi, Charlotte, ben ce sera peut-être le début d'un engagement citoyen que tu créeras, conduiras, porteras. Et je suis honorée, ravie que Psycho-Développement et l'École des femmes inspirantes soient le terreau, j'espère, fertile aujourd'hui pour cette belle idée et engagement que tu as. Charlotte, est-ce que tu veux venir avec ta petite blouse? Et vous allez nous expliquer toutes les deux pourquoi tu as souhaité organiser cet événement et pourquoi tu as souhaité transmettre ce que tu avais vu, entendu à l'Assemblée nationale ce 27 mars. Mais ouais, tu vois. Présente Jeanne et Célère, le petit, la grande Jeanne et Célère, et Doudou. Je t'assure que je peux dire que j'ai souhaité faire cet événement, c'était un peu tout seul. On a parlé de ce jour à l'Assemblée nationale, moi je suis tombée de ma chaise 40 fois en voyant les propositions de loi, pas possible, en 2023 en France, on n'a pas encore. Où sommes-nous? On avait notamment l'ambassadeur de Suède qui vient de dire qu'il avait été chez moi, je lui ai dit en fait, c'est combien de temps que tu adores? Bonsoir. J'ai été vraiment, on avait parlé avec ça, choquée. Et qu'elle m'a dit, oui, en fait, choquée, on peut dire, c'est super, c'est en marche, c'est super important. Et en fait, c'est ça qui s'est passé quand on a débriefé au brunch de Lyon. Toutes les femmes qui étaient là avaient envie de porter plus loin ce qui avait commencé à être dit après l'Assemblée nationale. Et puis au sein de l'école, tout le monde avait envie de participer. Les femmes des projets que vous avez mentionnés sont toutes portées volontairement, de leur boulot, de leurs enfants, de leur vie précise pendant ces 4 semaines à l'école. Et je ne pense pas que je l'ai souhaité, ça s'est fait. Et nous, les femmes, je vais vous dire, quand on souhaite, on suit un mouvement et on a fait. Et on est ravis de faire du coup. Merci. 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 Merci.
Alors, Madame Marie-Pierre Rixin, certaines l'ont rencontrée ici et une de vous l'a interviewée. Mélanie Montocchio, toi, tu l'as interviewée. Alors, Mélanie et moi, nous étions collègues à la SNCF et nous, on a passé 3 jours dans un train. Donc, on a dormi hein, tout ça dans le train. 3 jours ensemble dans un train, ce n'était pas parce qu'il y avait un problème. Nous avons passé 3 jours ensemble dans un train en 2019. C'était le train de SNCF au féminin qui faisait le tour de France pour aller parler de féminisation des métiers de l'infrastructure, notamment à toutes les équipes de France, et aussi de soft skills, d'inspiration. Et donc, on s'est rencontrés là. Et tu m'as confié cette interview et on a sélectionné une partie qu'on va vous passer. Et puis ensuite, je t'inviterai à dire deux mots et à commenter. Okay? Alors attention, technique est en magie. Là, je vous dis, je transpire déjà pas mal, mais alors là, c'est pire que pire. Mais ça va tout bien marcher, regardez ça. Alors, je vérifie que tout le monde voit par ici. Yes. Je vais couper le son par ici. De la loi Rixin. La loi du 24 décembre donc 2021, elle a pour objet d'accélérer l'égalité économique et professionnelle entre les femmes et les hommes. Il y a ces 22% de rémunération globale des inégalités entre les femmes et les hommes, 12,5% d'argent de poche en moins pour les filles entre 12 et 16 ans. Il y a 42% d'inégalités de revenus entre les femmes et les hommes au moment de la retraite. Tout cela tient probablement au statut de l'argent des femmes, qui reste encore considéré comme un revenu secondaire. Soit d'abord, le travail des femmes était davantage considéré comme devant être un don et non comme devant faire l'objet d'une rémunération. Puis lorsqu'il a fait l'objet d'une rémunération, il n'a pas fait l'objet d'une rémunération dans les mêmes termes entre les femmes et les hommes. Les femmes étaient davantage rémunérées à la tâche, alors même que les hommes, au même moment, globalement, étaient déjà rémunérés sur un temps de travail. Et puis ensuite, il a fallu que les femmes réclament le droit au travail. Et ensuite, il a fallu qu'elles réclament le travail égal, salaire égal. C'est l'objet donc de la loi 4 décembre, qui a trait à la fois à la question notamment des droits bancaires des femmes, de la prévention des violences économiques, de faire en sorte que les femmes qui sont les plus en difficulté puissent se former tout au long de la vie, et notamment pour celles qui sont en situation de monoparentalité, puissent faire garder leurs enfants lorsqu'elles se forment. Il y a également la question de l'accès au financement pour les femmes entrepreneurs, la question également du rôle que doivent jouer l'enseignement supérieur et l'éducation, et on en reparlera notamment dans les choix d'orientation qui sont opérés par les jeunes filles. Et ensuite, il y a la place de la femme, des femmes dans l'entreprise, donner un signal comme quoi les femmes peuvent accéder à des postes de direction et ont leur place autour de la table autour de laquelle on par les statuts sur le pouvoir économique de l'entreprise, c'est donner aussi parole à l'ensemble des femmes dans l'entreprise et leur dire qu'elles ont leur place, quels que soient les échelons, les niveaux de hiérarchie. Comment vous voyez les choses bouger? D'abord, c'est un sujet dont on ne parle davantage. Il y a urgence à intégrer des femmes dans les cercles du pouvoir et dans l'entreprise, parce que nous avons certains secteurs qui peuvent être en tension et où peut y avoir des difficultés de recrutement, et que pour des raisons démographiques, aujourd'hui, les femmes doivent intégrer ces secteurs-là. Si nous voulons assurer la souveraineté de notre pays, vous savez à quel point la souveraineté, notamment la souveraineté économique, mais sur d'autres enjeux, est déterminante aujourd'hui, notre pays a besoin des femmes. Et évidemment, on a besoin puisque nous représentons 52% de la population. Ce serait donc une folie pour un pays comme le nôtre de se passer de plus d'un 50% de sa population. Une population qui, par ailleurs, est formée, compétente, motivée, qu'il faut juste accompagner. Les entreprises ont besoin d'être mentorées, je pense que nos écosystèmes ont besoin de l'être, je pense que notre économie a peut-être besoin de l'être, mais que les femmes en elles-mêmes ont leurs compétences, sont extrêmement brillantes, et qu'il faut changer des codes qui héritent d'un système
et qu'elles, donc il faut qu'elles se réinventent, ces entreprises, il faut qu'elles se réinventent aux enjeux de notre siècle, et il faut qu'elles renouvellent des codes qui, à l'origine, ont été faits pour des hommes, par des hommes, et aujourd'hui, il faut que ces codes ils soient faits par des femmes et des hommes, pour des femmes et pour des hommes. Femmes et hommes doivent se concerter pour savoir conjointement comment mener à bon port les objectifs de l'entreprise. Ça n'est pas aux femmes de se mettre dans les costumes d'hommes préétablis, mais c'est à chacun de laisser les individus éclore et être ce qu'ils sont véritablement pour apporter la plénitude de ce qu'ils sont et de leurs compétences. Est-ce que vous avez, nous, des conseils à nous donner pour progresser dans cette dynamique? Le premier conseil serait de mesurer, de dire qu'il peut y avoir des retours en arrière. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut aussi que l'organisation puisse amortir, absorber les objectifs qui sont fixés. On ne peut pas traiter de l'égalité professionnelle sans traiter la question du sexisme, notamment dans celles qui sont peut-être dans des secteurs à dominante masculine, comme on dit, parce qu'en fait, c'est sociologique. Lorsqu'il y a moins de 30% de femmes, il y a des mécanismes de sexisme qui se mettent en place, parce que c'est cela qui va convaincre des femmes totalement, évidemment, légitimes, compétentes, battantes, parfois, de se détourner de ces secteurs pour lesquels, pour autant, elles peuvent avoir une passion et sur lesquels elles peuvent avoir des velléités et un intérêt fort pour aller vers des secteurs où elles seront mieux accueillies. Il ne faut pas hésiter à se former. Je pense notamment à Harvard qui a mis en open data les tests sur les biais, qui est formidable. Et non, une blague sexiste, ça n'est pas drôle. Ça abîme l'image de soi et ça n'est pas agréable. Merci à toutes et à tous et à votre disposition. Merci, Madame la députée. Vous avez besoin d'éléments complémentaires. Oui, désolée, elle a pas de micro cravate, Mélanie. Du coup, c'est pour ça que vous l'entendez pas. 450 cadres dans 14 pays, 30% d'hommes. Ils jouent leur part. Voilà ce que je voulais témoigner avec vous. Merci beaucoup, Mélanie. Donc oui, de l'audace, hein, il y en a aujourd'hui. Une qui
qui incarne particulièrement cette audace, c'est une autre Mélanie. Mélanie Blanc, tu es là. Alors, Mélanie, qu'est-ce qu'elle a fait, Mélanie? Eh ben, elle a écrit tout simplement à la présidente de l'Assemblée nationale, Madame Yaël Braun-Pivet, et tu as reçu une lettre que tu vas nous lire. En fait, elle a commencé par s'excuser parce qu'elle est à la télé à midi, là, en direct sur une émission politique, donc elle ne pouvait pas être présente. Mais du coup, elle nous a envoyé un petit message de soutien que personnellement, j'adore et que j'ai essayé de lire jusqu'au bout. Donc, à l'entête de l'Assemblée nationale, 100 femmes se lèvent pour la loi X1, dimanche 27 juin 2023. Message de Madame Yaël Braun-Pivet, députée des Yvelines, présidente de l'Assemblée nationale. Mesdames, je suis ravie de pouvoir vous adresser quelques mots à l'occasion de cette belle initiative 100 femmes se lèvent pour la loi X1. Promulguée le 24 décembre 2021, cette loi visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle comporte des dispositions en faveur de l'entrepreneuriat des femmes, impose un index de l'égalité dans l'enseignement supérieur et complète la loi Copé-Zimmermann de janvier 2011. Bon, ça, c'est pour la partie un petit peu cadre juridique. La loi a permis de faire bouger les lignes et de faire avancer les usages et les mentalités. Mais, là, ça commence. La place des femmes dans la société ne devrait pas se restreindre à celle qu'on veut bien leur laisser. Elle est aussi celle que nous nous donnons nous-mêmes la chance d'occuper. Trouver sa place, cela peut paraître facile, mais se faire une place n'est pour tout un chacun ni évident, ni aisé. Ça l'est encore moins quand on est une femme. Le parcours professionnel des femmes peut être semé d'écueils et d'embûches, que ce soit par préjugés, par frilosité vis-à-vis de nouvelles façons de faire et de s'organiser, ou bien encore par manque de confiance. Les obstacles que les femmes doivent franchir pour parvenir au poste à responsabilité sont très nombreux, et j'en sais quelque chose. Point d'exclamation. C'est pourquoi cette initiative est capitale, pour se rencontrer, se nourrir des expériences des unes et des autres, et ainsi faire le plein d'enthousiasme et de motivation. Pour mettre un coup de projecteur sur ce que désirent les femmes à court terme et ce à quoi elles aspirent secrètement. Car penser l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans les entreprises ne se limite pas à une réflexion sur le lieu et les conditions de travail. Cela devrait aussi nous inciter à penser tout ce qui favorise une meilleure conciliation entre vie privée et vie familiale, et par conséquent tout ce qu'il y a autour du travail. Je pense notamment à la garde des jeunes enfants, qui est aujourd'hui pour beaucoup de femmes un frein majeur à la prise de responsabilité professionnelle. Ah, arrive le paragraphe que j'adore. À ceux qui pensent que nous ne pouvons pas tout avoir, je leur réponds si. Si nous pouvons et nous devons tout avoir. Avoir une vie de famille épanouie, être à l'écoute de nos proches, pouvoir s'engager dans des causes qui nous sont chères, mais aussi s'épanouir, s'accomplir même dans son travail et progresser dans nos vies professionnelles. Je vous souhaite une très belle journée de partage et pour chacune de vous 100 ici réunies, un peu plus maintenant. Je pense que ouais, en tout cas 105 inscrites. Je vous souhaite un parcours de vie à la hauteur de vos envies. Bravo, formidable. Bon, ben nous voilà parés hein, pour engager avec soutien et force nos discussions. Vos facilitatrices vont vous guider pour organiser les échanges autour de chacun de vos thèmes. Je vous rappelle le cadre des échanges apolitiques, bienveillants, dans l'écoute et respectueux. On se retrouve dans une heure pour partager. Je vous souhaite une merveilleuse matinée.
Voilà. Vous avez ici les tables et où vous rendre. Voilà. Et vous allez être accueilli. Et c'est en fonction de la couleur sur vos badges. Donc, vous allez vous retrouver avec tout ça. Voilà, pour la table digitale, vous vous déconnectez de ce lien-là et vous vous connectez sur le lien Google Meet. Et à midi, en revanche, vous nous retrouvez sur ce lien ici. Voilà. Merci à tous. À tout à l'heure. Oui, je te donne des règles, bien sûr. Attends, ma chérie. Ouais, je te donne. Alors, yeah. Trop bien. Bon, ça va? Vous allez bien? Oui. Ouais, donc, on va prendre quelques minutes pour conclure et partager ce que vous avez pu dire sur les tables. Alors, on va utiliser un outil extraordinaire, Charlotte. Cet outil s'appelle Menti. Donc, vous allez avoir besoin de vos portables. Voilà. Viens avec moi, Charlotte, par ici. Viens prendre ta place. Tu as juste des pleines places. Vous allez sur menti.com. Vous avez menti.com. On va vous demander un code. Cette fois que je le dis, j'ai une mémoire des chiffres.
85 25 79 90. Alors, attendez, attendez, pas de problème, vous inquiétez pas. menti.com. Voilà, il vous demande un code 85 25 79 90. Il y a des problèmes de connexion, tout le monde a connexion. On est là, on est là. 85, il est là. 25, Charlotte. 79, Charlotte. 86. Il est. Numéro complémentaire. La première fois, il est à l'écran. Voilà. Il est écrit à l'écran. Allez, on va commencer par ça. Comme ça, tout le monde est équipé. Bon. On va commencer par ça. Alors, avant le même. D'abord, le. Non, il y a quelqu'un. Donc, vous avez le temps de vous équiper, parce qu'on ne va pas commencer par ça. Et justement, c'est pour qu'il n'y ait pas ça quand on va aller sur l'outil. D'accord? OK. Alors, première chose, on va vous proposer de faire un petit retour par table. Alors, évidemment, pas de tout ce que vous vous êtes dit. Vous pouvez être évidemment très riche. Je pense qu'il y a eu des prises de notes. Donc, ces prises de notes-là, on va les récupérer. On va voir comment est-ce qu'on communique avec, comment est-ce qu'on transmet aussi aux personnes adéquates par rapport aux différents sujets. Okay. Pour autant, je pense que c'est important d'avoir un peu la voix de chacune des tables. Donc, on s'est dit, on va partir sur une phrase choc caractérisant vos échanges pour chacune des tables. Donc, je vais prendre dans l'ordre là. Et on vous propose donc, de nous résumer les choses. Alors, peut-être que ça peut être la facilitatrice de la table, si ça vous paraît plus facile. S'il y en a une après qui se sent hyper, hyper engagée à donner la phrase choc, eh ben, organisez-vous entre vous. Tech digital, je m'en rends dans la bonne direction ou pas? Non, il faut que j'aille vers Théo. Juliette? Allez, Juliette. Ah, oui, ok. Une phrase choc. Bonjour à tous, du coup, ravi d'être là. Nous, on était sur Tech Digital. Et je dirais que l'un des constats principaux, la nécessité d'allier, notamment chez les hommes, au plus haut niveau hiérarchique. Et je dirais que malheureusement, la sanction et les quotas sont quand même assez clés jusqu'à aujourd'hui. C'est comment on peut mettre ça sous place de forme d'instance, par exemple syndicale, pour que au sein des entreprises, il n'y ait plus vraiment le choix que d'accueillir des femmes dans la tech et de leur laisser une place à tous les niveaux. Merci. Merci Juliette. Alors la table éducation. Alors on avait la table éducation Ixen. Eh bien, viens Ixen. Alors, on est sur une phrase choc. Une phrase choc, synthétisant, j'imagine. Alors, moi, je remercie tous les participants pour la phrase de la réplication. Que je garde. Commençons. Donc l'éducation commence dans le bac à sable. Donc commençons très tôt à parler de la loi Nixon à nos filles et à nos garçons. Ben, c'est pas mal, hein. Je pense qu'on est bien. Super. Entrepreneuriat. Alors. Alors, moi, c'est pareil, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Ce qui m'a marqué, c'est qu'on se rend compte qu'on pourrait être notre propre frein et d'oser prendre notre place, un peu, de croire en son ambition, excéder
Et je rajoute le mot qui n'a pas été dit pendant la table, mais qui m'est venu après, c'est d'avoir sa sororité, vraiment, pour y arriver. Merci. Les liens qui... C'est aussi pour ça que je vous ai raconté des histoires tout à l'heure de qui se connaît qui ici, etc. Parce qu'on ne sait jamais à côté de qui on est assis, de ce qu'on peut construire. Je raconte souvent que Sophie et moi, premier stage de dev perso, j'envoie un message pour covoiturer en sortant de la gare de Montpellier, et c'était Sophie, voilà, qui est montée dans ma voiture. Voilà. Donc là, oui, la sororité, le lien, évidemment. Ah, super. agriculture. Allez. Bonjour à tous. Alors, la phrase, ce serait accompagner les femmes dirigeantes dans leur posture pour assumer leur rôle et leur place au niveau de l'agriculture et surtout légiférer pour leur donner une visibilité au niveau administratif parce que la case, Delphine, chef ou dirigeante, n'existe pas. J'imagine que tu ne peux pas là-dessus. Puis, voilà, attends, vas-y. Je suis à ce poste-là et ils ne savaient pas où me placer. Donc, c'est extrêmement rigolo. Et un jour, ah, super, ils ont trouvé une case. Voilà, la MSA ne trouvait pas de case. Donc, c'est de la magie, c'est de la magie, quoi. Donc, si déjà, en fait, l'administration de l'agriculture n'a pas de case dirigeante, je ne vois pas comment on va pouvoir, nous aussi, prendre notre place. C'était la petite. Et pour aller sur cette phase, en effet, il faut une certaine posture. Bravo d'avoir mentionné ce point pour aller pour avoir tout le leadership en fait, hein, pour obtenir ce qu'on veut et ce dont on a besoin. Super. Les associations au féminin, reconnaissance d'utilité publique. Ouais. Lila, hop, et je m'approche. Écoutez, déjà, on a déjà certains éléments qui ont été pris en effet par les autres groupes, mais il y a vraiment quelque chose d'impressionnant. Ça m'a étonnée à cette table, justement, le sujet auquel on a échangé. Et la phrase, c'est accompagner la femme à chaque moment de sa vie et surtout pendant sa maternité, post-maternité. Oui. Ben, j'ai été surprise, surtout qu'en tant que sage-femme de prime abord, le métier de base, ça m'a vraiment étonnée que c'est quelque chose qui est ressorti de notre table. Mais je remercie celles qui ont participé d'ailleurs. Bah oui, parce qu'on continuera à faire des enfants, hein, a priori. Enfin, je pense que les hommes ont aussi envie de continuer à faire des enfants. L'humanité a envie que nous continuions à faire des enfants. Donc, si on prend toute notre pleine place et juste place, la question de la parentalité pour les hommes et pour les femmes, je dis les hommes en premier, du coup, se posera, et je pense que c'est ce que disait aussi Marie-Claire Vixin dans l'interview, c'est-à-dire comment est-ce qu'on mentore les organisations et la collaboration entre les hommes et les femmes pour repenser nos systèmes et nos organisations du travail. Tout à fait. Et du coup, oui, parce qu'en plus, du coup, les jeunes générations, pour des tas de raisons, reculent, mais bon, voilà. Yes. Fiscalité. Ouais, là, je regarde du bon côté. Super. Hop, Elisabeth. Hop. Je m'approche. Fiscalité, c'était une table. Ce qui me vient à l'esprit, c'est du partage pour une table de femmes conscientes et très impliquées côté fiscalité et finances. Donc, les mots-clés, c'est en fait que c'est le temps des femmes aujourd'hui et une action qu'on aimerait bien voir mettre en place, c'est de l'instruction financière et fiscale pour les deux membres du couple, pour l'homme et la femme.
Et on s'est dit qu'aujourd'hui, peut-être plutôt que d'apprendre du bricolage ou de la cuisine, très tôt, on devrait apprendre de la finance et de la fiscalité, gérer un budget. Pour les deux. Merci beaucoup. Et les connaissances dans le domaine et un peu de psychologie sur le rapport à l'argent, ça vous dirait ça aussi? Voilà. Donc là aussi, hein, on voit bien qu'il y a les deux. Hein. Là, on a besoin d'avoir le contenu, d'être en pleine possession de nos compétences et puis aussi d'avoir l'état d'esprit. Et oui, la relation à l'argent, les connaissances autour de l'argent. On a besoin évidemment de développer ça. Super. Comité de direction, Bécodir. Alors, qui prend la parole? Lorraine. Il y a des sujets qui étaient vraiment en résonance avec ce qu'on dit d'autres tables, ce qui n'est ni étonnant, et en tout cas, je pense que c'est prometteur. Si je dois isoler une seule chose, qui est un exercice très difficile, je dirais que c'est quand même la prise de conscience qu'on ne va pas pouvoir faire. Là, nous, on parlait d'accéder au CODIR, d'être au CODIR, de rester au CODIR. On ne va pas pouvoir le faire tout seul. C'est-à-dire que battre, enfoncer des portes, être assertif, très bien. S'outiller, très bien. Baisser les barrières, arrêter de se dire qu'on ne va pas y arriver, très bien. Mais en fait, il faut vraiment qu'on soit entouré. Et là, pour le coup, homme ou femme, ça sort de l'équation. Simplement avoir un système de soutien en interne et en externe pour pouvoir tout faire. Merci, merci. BTP. Yes. Alors, merci à tout ce groupe. Il y a eu énormément de choses intéressantes qui ont été dites. Et en fait, ce que je retiens parmi tout ce qui a été dit, c'est pour faire écho à ce qui vient d'être dit à l'instant. Il est vrai que pour augmenter la parité, là, on était sur le monde du BTP, mais on est allé bien au-delà. Nous, on pense qu'il faudrait même aller plus loin et avoir une troisième loi RICS1 sur l'aménagement et l'organisation du temps de travail, pour que ces choses-là soient revues et plus égalitaires, et donnent sa place à chacun. Ils redéfinissent potentiellement des modèles. Dans le milieu du BTP, adapté aux femmes, des équipements adaptés aux femmes. Moi, je fais mon mea culpa. Il y a 15 ans, on faisait du recrutement à la SNCF avec Candide, on recrutait des équipes techniques. Et de temps en temps, on avait une femme pour être derrière par moi. Le directeur d'établissement disait pour un toilette, pour une nana, chier vos pourcentages. Il l'a mis. Grâce à Candide. Et c'est pour ça que je me mets à culpa parce que moi, je disais, ouais, c'est vrai, quand même. Tout cet argent. Non, voilà, donc je n'étais pas. Mais Candide était déjà très au taquet sur le sujet. Et grâce à elle, elle a été recrutée et elle a eu des toilettes. Et notre table digitale, hein, magie, gestion des micros. Oui. Bonjour à toutes. C'est bon, il est assez OK? Parce que OK. Donc, bon, voilà, parfait. Je vous vois bien. Donc, bonjour à toutes. Bien, oui. OK, top. Donc, voilà, bonjour à toutes et merci aux contributions de chacune, notamment la table. On reste très calme. C'est tout ouvert ici. C'est tout ouvert ici. Est-ce que tu peux dire dans l'oreille? De toute façon, je t'appelle, je ne pas dormir. Est-ce que ça peut... Vas-y, Marie, là, ouais, tu m'entends? J'entends. Moi, je t'entends très bien, je t'entends et je te vois. C'est Cyrano, elle qui parlerait. Ouais, attends, je viens faire les choses. Ça va bien. Toujours pas, Marie? 1, 2, 3. Moi, je t'entends. Je t'entends vraiment très bien. Ça a failli être spectaculaire. Je vais récupérer Marie dans l'oreillette et je vais transcrire.
Alors, tu m'entends, Marie? Tu m'entends pas? Ouais, moi je t'entends super bien. Marie m'entend super bien. Donc, j'entends très très bien. Marie. Et Marie m'entend super bien. Donc, je vais faire la translation. C'est parti. Voilà, donc bon, alors je voulais simplement donc remercier tout le monde et notamment les personnes de la table avec laquelle on a eu une super bonne discussion. De la table. Donc, nous, notre phrase choc, elle est sortie de trois mots qui sont contribution, satisfaction et transmission. Et donc, cette phrase serait, je me suis permise de reformuler la phrase, enfin de faire la phrase, des contributions, source de satisfaction. Attends, on essaie un tout petit truc pour améliorer la situation. On voit un moment, un petit... Non, c'est un autre endroit. C'était ici. C'était là. Voilà. Voilà. Ça. Là. Oh, Marie, peux-tu parler? Oui. Oui, je parle là. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je retourne au même endroit. Attends, une dernière tentative. Tac. Il est en dessous. Là, il est caché ici. Vas-y, Marie. Alors, test. Est-ce que là, tu m'entends? Un, deux, vas-y. Ouais. Là, je suis en train de parler. Là, il est une. Attends. Je suis en train de parler. Oui. Tu es en train de parler. Mais non. Non, il ne veut pas. Ah, attendez, attendez, attendez. Vas-y. Oui. Est-ce que là, tu m'entends? Vas-y, vois. Est-ce que vous m'entendez? Oh là là, on est proche. On est proche. On est proche. Vas-y, vois. Oui, vas-y. Est-ce que là, c'est bon? Bon, on a tout fait. On a vraiment tout fait. Hein, donc, je continue. Est-ce que tu peux me redire, Marie? Alors, la phrase, ce serait... Les trois mots qui vous ont, donc, sur l'après. Sur l'après. C'était sur l'après. Qu'est-ce qu'on fait après? Des contributions. Alors, des contributions. Des contributions. Source de satisfaction pour des femmes actuelles. Source de satisfaction pour les femmes actuelles. Pour la transmission aux femmes futures. Transmission aux femmes futures. Voilà. Donc, en gros, l'idée, c'est de dire qu'on continue, bien évidemment. On a continué à contribuer, à vous engager là où vous avez envie de vous engager. Je pense que c'est ça que je comprends. On peut toutes faire quelque chose là où on est, dans son quartier, dans sa rue, dans sa mairie, dans son école, je ne sais pas. Voilà. Et puis, transmettre. C'est vraiment ce qui a été le point de départ d'aujourd'hui, c'est-à-dire je vais à l'Assemblée nationale, ben je ne garde pas ça pour moi toute seule, elle est où, Charlotte? Elle est là. Ah, voilà. C'est son idée, en fait. Hein, je ne garde pas ça pour moi toute seule, et 1 fait 100. Donc, vous voyez, 100 fait le calcul. Voilà, les ingénieurs, vous êtes calculés. Je ne suis que psy, je ne sais pas calculer. OK? Voilà. Donc, contribuons. Transmettons, superbe. Et nous allons donc maintenant aller sur Menti. Mais on est bien, Charlotte, on est très bien, on est au chaud, tout va bien. Alors, donc vous vous connectez à Menti, vous tapez le code, tout ça. Vous voyez le code si vous n'êtes pas encore. Est-ce que vous y êtes toutes, y compris en visio, hein, vous pouvez aussi être sur le Menti. Ça va même s'afficher ici, depuis partout où vous êtes. Partout dans le monde. Ah oui, hein. Je répète, Marie est à Yaoundé. Donc, nous sommes partout en France et partout dans le monde. C'est magnifique. Donc, si vous êtes toutes connectées, on va aller maintenant ici. Et voilà, qu'est-ce que vous gardez de ce matin? Que voulez-vous garder de ce temps? Alors, ça peut être une analyse, une conviction, une envie, un élan, une sensation, une vision. Ah, on voit que la notion de partager, hein, de ne pas être seul dans ces sujets qu'on traite, évidemment. Évidemment, et je pense qu'en effet, le point d'après, ce sera d'avoir plein d'hommes tirés S avec nous. Ces discussions-là que les hommes réclament aussi. Hein. Moi, à mon niveau, en fait, moi, je vois des hommes qui viennent me voir en disant
Et nous, en fait, pourquoi ça fait un programme d'accompagnement pour nous, en fait. Et j'en accompagne, en fait, en individuel. Déjà, ils font ça bien individuel, timidement, mais quand ils le font, après, ils y vont à fond. Et après, leur permettre aussi d'accéder finalement à de nouvelles représentations. Mais ça, c'est tout un travail. C'est un vrai travail en profondeur, en fait. Donc, c'est aussi pour ça que ça prend du temps. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Partage, sororité, enrichissant, réseau, prendre toute sa place, accompagnement post-mater, oui, les énergies collectives, la responsabilité, la puissance du mot, libérer aussi les hommes, voilà, accompagner, éducation financière, exemplarité, accompagnement à prendre, une prise de conscience, début du changement, lever tous les freins. Voilà, super. Bah, vous pouvez continuer à enrichir le Menti. On va juste clôturer sur ce qu'on vous disait. Donc, nous, à notre niveau, au niveau de l'école, en tout cas, et du cabinet, bon, bah, c'est de vous accompagner les unes les autres si vous le souhaitez, si vous avez envie d'aller vers cette introspection et vers cette mise en action. Et puis, bah, celles qui ont participé se sont dit, mais il faut qu'on puisse rester justement en partage, en sororité, en lien les unes avec les autres. Donc, l'idée d'un réseau a émergé de là. Donc, je vais laisser la parole à Carole qui va vous expliquer rapidement de quoi il s'agit. Et puis après, voilà, on aura largement le temps lors du brunch si vous avez des questions. Oui, voilà. Donc, alors, normalement, j'apprends par cœur, mais pas tout à fait, je n'ai pas tout à fait. Donc, je vais dire un peu ce que j'avais prévu de dire. D'abord, j'aimerais quand même rebondir parce qu'à notre table aussi, on a évoqué cette question et la place des hommes. Ce qui est remonté, c'est que face à ce type d'événement, il y avait deux réactions. C'est ou vous me saoulez avec ces thématiques, j'en peux plus, ou bien pourquoi est-ce que je ne suis pas avec vous. Donc, Charlotte, je te lance le challenge. Prochaine édition, sans femmes et sans hommes. OK ? Ou 200 personnes, parce que oui, nous sommes, enfin voilà, le stigmatisant personne. Ouais. Voilà. Donc, par rapport à ce réseau, en fait, on a vu que c'est grâce à l'élan d'un noyau de femmes qui ont suivi notamment le programme de l'École des femmes que cet événement a pu se monter en 3-4 semaines. Donc, une idée a germé, elle a été soumise, elle a déclenché un enthousiasme général, la mobilisation d'un petit groupe, mais le soutien de l'ensemble. Voilà. Donc, ce brunch a une nouvelle fois démontré notre capacité à nous mobiliser, à rendre visibles nos engagements individuels, mais aussi collectifs, à illustrer à quel point nous sommes plus forts ensemble et pouvons faire entendre nos voix. Donc cet événement, mais on vous l'a dit tout à l'heure, il y avait d'autres initiatives qui ont déjà émergé au sein de cette école, rappelle qu'en fait, c'est un vivier très important, enfin, c'est les femmes de cette école, mais toutes les femmes qui sont ici, représente un vivier très important de femmes au parcours professionnel, mais aussi personnel, très divers et donc très, très complémentaires. Donc, on a déjà créé un premier niveau de réseau qui sont l'annuaire des femmes qui ont suivi ce programme pour qu'on puisse échanger nos expériences, nous interroger ou organiser des événements locaux. Mais avec Ida, moi, Théo, Rosemary, Claire, Hyssen et plein d'autres femmes, on souhaitait dès le début pouvoir élargir ce cercle et embarquer un plus grand nombre de femmes à l'élargissant en celles qui souhaitent découvrir le panel très large de leurs talents ou leurs multifacettes, telles que nous les appelons ici au sein de l'école, qui ont envie d'avoir des outils pour pouvoir faire des choix en toute conscience pour leur permettre de vivre leur vie pleinement. Donc, fidèles aux valeurs de l'école des femmes S, connaissance de soi, intelligence collective, et légèreté, parce que c'est très, très important, la légèreté. Ce réseau proposera des événements, des conférences, des animations et des moments conviviaux afin de permettre aux femmes S de devenir dirigeantes de leur vie. Et c'est tout le propos de cette matinée. Car c'est à cette condition-là de devenir dirigeantes de leur vie que les femmes prendront pleinement leur place et inspireront des nouveaux modèles en cette période de transformation en profondeur de notre société. La boucle est bouclée, Madame Rixin. Donc voilà, vous serez toutes informées de la création de ce réseau des modalités très prochainement. On va pouvoir aller
profiter de ce brunch maintenant tout ensemble. Je voudrais juste finir comme j'ai commencé par quelques remerciements. D'abord, un remerciement à M. Arnaud Bord, notre homme de la situation, voilà, qui est présent toute la matinée et qui sera là aussi avec vous pendant le brunch. Si certaines ont envie de dire quelque chose face caméra, ben allez-y. Merci beaucoup, Arnaud, hein, d'avoir réservé ton dimanche. Je voudrais aussi célébrer. Alors, est-ce que Flavie Testé est là? Je ne suis pas sûre. Mais bon, on avait la championne, une championne d'haltérophilie qui était inscrite. Voilà. Et bon, qui malheureusement, du coup, n'a pas pu venir ce matin, mais du coup, je voulais célébrer les championnes. Voilà. Et je pense qu'il y en a pas mal, en fait, dans cette salle. Donc, on peut applaudir les championnes de en tout genre. Je voulais célébrer. Alors, du coup, Malika n'était pas là tout à l'heure. Après, tu es là. Voilà, donc ça y est, tu es là. Donc, voilà Malika qui a veillé sur nos enfants tout à l'heure et qui a préparé une bonne partie de ce qu'on va pouvoir déguster juste maintenant. Christine aussi n'était pas là tout à l'heure. Christine, est-ce que tu es dans la salle? Je ne suis pas sûre. Si, tu es là. Voilà. Donc, Christine sera avec nous aussi sur la table, comme je vous disais, la table dédicace, donc avec son livre. The Leadership Revolution, le voilà. Donc nous, on va s'installer au fond, venez nous voir. Et donc, tout simplement, eh bien, écoutez, je crois qu'on peut s'applaudir, que vous pouvez vous applaudir, vous féliciter. On peut se lever tout ensemble. Et il y a une petite chanson. Alors, c'est bien celle-là. Mais voilà, on aurait pu vous faire une choré parce qu'on a une choré de l'école, mais bon, on vous le fera la prochaine fois. On a Big Bisou aussi, on a aussi Big Bisou, mais là, c'est pas Big Bisou, c'est pas ça, c'est peut-être mieux que ça. Donc, je vais vous mettre cette très très belle chanson en espérant que tout fonctionne. En visio, si vous voulez profiter de la chanson dans de bonnes conditions, vous tapez Lève-toi dans YouTube hein, ou tout outil permettant d'écouter de la musique. Hein, parce... Bien sûr que je suis en fait. Voilà, donc attention les yeux et les oreilles. C'est parti. C'est pas ici. Ah, la technique. J'arrive. J'arrive avec le Bluetooth. Le mystérieux Bluetooth. Allez, on va faire la bonne un bon vieux Jack, quand même. Moi, je dis qu'un bon vieux Jack, c'est toujours bien. Comment ça marche? Line in. Pardon. C'est ça le problème. C'est le power off le problème. Mais quand il y a un problème, il n'y a pas de problème. Regardez ça. Non, juste hop. Hop. Allez, on l'a. Allez.